de la levée des sanctions qui empêchent la réalisation d'affaires normales entre les deux pays. Les Cubains considèrent aussi que le domaine agricole est un angle important pour l'avenir de l'échange. Mais toutes ces démarches ont très peu de chances de réussir si le Congrès des États-Unis ne démonte pas le blocus de toutes ces pièces. Nous remercions nos fidèles auditeurs de leur aimable attention. Michel Pagna, notre technicien du son, Dagoberto et moi, Reynaldo, nous donnons rendez-vous demain sur les ondes ou sur le net. www.radiohc.cl. Venir leurs suggestions et critères sur nos programmes à notre adresse électronique français sans cédille @rhc.cl. A bientôt sur les ondes ou sur le net. Thank you.